Raphaël là peut-être, voilà qui va entrer et qui va permettre aux Françaises d'égaliser, d'ouvrir le compteur et de faire monter encore un peu plus le décibel. Celui-là aussi, il est pas mal du tout. Et les shooteuses adverses. Avec un très bon contre, hein, parce qu'on voit là, Pauletta, faut pas toucher le bras. Et puis derrière, Béatrice Edwige faire le contre pour aider la gardienne. Et l'accélération de Stein Zemiko derrière cette petite passe magique et la conclusion. Que c'est bon. L'équipe de France est magnifique. Ça fait plaisir. Voilà, quand c'est récité comme ça avec à la conclusion Chloé Valentini. Mais là, c'est vraiment globalement le collectif de l'équipe de France. Et c'est parti. Fois, on arrive à trouver des transitions rapides, Mariama. Ça, c'est une bonne information aussi. C'est une très bonne information. On voit qu'elles ont travaillé beaucoup les montées de balles. Elles se projettent vite en avant. C'est impossible de les arrêter. Elles punissent ses adversaires. C'est Bilinski qui aussi là, se tire. C'est très bien joué ça. Elle est déchirée. Depuis qu'elle est capitaine. Le rôle de capitaine, ça double tranchant certains. Et elle l'avait dit elle-même, voilà, de ne pas se disperser parce que ça mange de l'énergie aussi. Regardez là encore une fois qui vient s'emparer de cette balle. Mais c'est incroyable le match qu'elle est en train de nous faire. La capitaine de l'équipe de France, elle est à 100% au niveau du tir. Elle est déchirée. Prenez le tir directement sur l'appui. Oh. Voilà. C'était facile. Ouais, facile. Deuxième plutôt. On lui mettra un peu de l'arrêt, allez, on lui met quand même. Non, on lui met quand même, on lui met quand même. C'est important de nourrir cette ferveur, hein, surtout qu'on approche des Jeux Olympiques 2024. Oui. Et on va avoir besoin de tout le monde. Hein. Alors, regardons un petit peu. Voilà, bah, Tammy, c'est un roi sec. Et voilà, magnifique, superbe. Ce qu'a fait Daniel Crumbles. Oui, mais c'est réalisé. Ça sera quand même réalisé, comptabilisé. Et c'était parfait. En tout cas, elle n'a pas froid aux yeux. Bon, elle a pris ses 12 petites minutes. C'était le bisutage, on va dire, pour sa première sélection avec l'équipe de France, sa première cape. Et on a envie de l'avoir marqué. Elle va tirer, c'est sûr. Allez, la voici. Et voilà. Et là, la Belle, il y avait qu'à tomber. Et il reste 4 minutes. Hein. Oui, parce que c'était la gardienne de recadrer aussi la défense, hein, c'est ça par la voix. Bah, recadrer, oui, mais après, une gardienne n'est rien sans sa défense et vice-versa. Donc c'est la défense aussi de maintenir son niveau. Grazadi, elle maintient son niveau. Regardez, impeccable. De Grazadi, grâce à la classe. Grâce à la classe, ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti. Et on est en train de faire le plein de confiance avant le match de dimanche. Sierra la revanche, on rappelle France-Pologne, 16h10. Depuis Nantes, cette fois avec encore une ambiance formidable pour accueillir les champions olympiques. Et ça sera évidemment sur Rachek qui peut être à Rachek. Le but est vide, malheureusement le ballon est touché. Ah, ça va rentrer. Et au bout du suspense. Voilà, oui. C'est les joueuses un petit peu toujours compliquées à jouer, pas très grandes, mais très exposées sur les petits espaces. Toujours communiquer, avoir une main sur le pivot pour savoir où elle se trouve. Trop bien joué. Bravo, c'est parfait ça. La part des Borelas Fuchs, elle joue simplement, finit sur un penalty. Allez, ah, ça serait bien. Allez, ça serait bien pour Camille Decuzé de nous le sortir. On essaye de perturber en bougeant les drapeaux derrière. Ah non, malheureusement. Ça sera dedans 33-26 avant le match retour de dimanche. Donc ça sera 16h10 à Nantes. La France s'impose 33-26 face à la Pologne dans une superbe ambiance avec beaucoup de points satisfaisants et l'entrée de deux nouvelles joueuses donc au sein de cette équipe de France.